Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 8 décembre et j'ouvre le vlogmas numéro 9. Niveau lecture en cours, j'ai pas grand chose à vous dire de plus qu'hier. J'ai un tout petit peu avancé dans le Cirque des Merveilles. Vraiment un petit peu. J'en suis à la page 265. Je suis toujours aussi bien dans ce livre, mais j'ai pas avancé vraiment beaucoup par rapport à hier où je vous ai pris, puisqu'hier soir j'ai préféré faire des infidélités à mes livres et j'ai regardé 2,5 épisodes, puisque comme toujours je me suis endormie quand il s'agit d'être devant la télé le soir. Et nous avons regardé Mercredi, que je suis à fond dans cette série. Je sais pas si vous avez regardé, si vous regardez. Je me doute un petit peu déjà du pourquoi et du comment. Je pense que quand on lit beaucoup de thrillers, on voit arriver certaines choses. Peut-être que je me trompe totalement, je vous dirai ça quand je l'aurai terminé. En tout cas, j'ai un gros coup de cœur sur l'actrice de Mercredi et sur l'actrice qui fait la directrice de l'établissement, que j'aimais déjà énormément dans Game of Thrones. Et là, je l'adore vraiment, l'actrice, je ne sais pas son nom, mais je la trouve parfaite. Bref, on n'est pas là pour parler Netflix. Je vais ouvrir le petit colis que j'ai reçu hier de la part de News. Il s'agit d'un t-shirt et c'est celui-ci. Amoureuse des mots. Il m'a l'air grand. Après bon, je préfère quand c'est grand pour moi que quand c'est trop petit. Je l'ai pris en XL. Comme on peut le constater, j'aime la couleur et je suis ravie de ce t-shirt. Et il se pourrait bien qu'il soit à gagner très bientôt sur mon compte. J'ai interrompu mes 10 concours pour fêter mes 10 000 abonnés sur Instagram. Je les ai interrompus puisque le mois de décembre, c'est que des concours, que des calendriers de l'Avent. C'est hyper cool. Moi, je crache pas dessus. Mais du coup, il y en a tellement partout au mois de décembre que je me suis dit que je reprendrai au mois de janvier. Et il se pourrait bien que ce t-shirt soit à gagner au mois de janvier dans un de mes concours des 10 000 abonnés. Je remercie beaucoup News pour sa confiance, je suis hyper contente. Et voilà, je l'essaierai peut-être tout à l'heure et je vous montrerai où je l'essaierai dans un futur vlogmas. Mais voilà, moi j'adore la couleur et quand elle m'a proposé celui-ci, j'étais hyper contente. Et sachez que je vous épargne des choses incroyables, c'est-à-dire que vous ne voyez jamais mes chaussettes parce que qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte sa vie. Aujourd'hui, dans ma case numéro 8 de mon calendrier de l'Avent de Tatane, j'avais des merveilleuses chaussettes que je vous montre tout de suite. Des chaussettes avec des petits citrons. Là, je suis sûre que vraiment vous êtes en train de vous dire, ça part dans tous les sens, ces vlogmas. Mais en fait, c'est ça, les vlogmas. Et avant d'avoir ces chaussettes, j'avais mis celle-ci. Vous voyez à quel point j'aime la couleur. Et ce sont des chaussettes dépareillé, mais c'est fait exprès et je les adore. Enfin voilà, c'était pour vous dire, dans la vie j'aime les livres et j'aime aussi énormément les chaussettes. Je trouve vraiment que ça termine une tenue et qu'on ne les voit pas et que c'est vraiment dommage. Je voudrais vivre en chaussettes et marcher en chaussettes dans la rue. Voilà, voilà, c'était le point hyper intéressant du jour, mes chaussettes. Au programme, là, il est quelle heure? Il est donc midi 15 et au programme de aujourd'hui, je dois faire mes photos pour Instagram parce que j'aimerais ranger toutes mes lectures de novembre et donc je voudrais les prendre en photo et je voudrais commencer à prendre en photo mes lectures de décembre. En fait, le but, là, c'est fin décembre d'être à jour dans mes chroniques Instagram, sachant que là, par exemple, on est le 9, je sais même plus, le 8, on est le 8 décembre et j'ai posté deux chroniques de novembre, donc il me reste toutes mes chroniques de novembre et après rattraper mon retard sur décembre, on est le 9, donc ça veut dire que j'ai 20 jours pour être à jour de mes chroniques. Je sais pas si je vais y arriver, je voudrais repartir en 2023 à zéro. Si vous entendez un bip bip, c'est mon four qui est en train de me dire que ça y est, c'est cuit. Donc je vais aller manger, je vais vous prendre avec moi pendant ma petite séance photo et je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la journée. Thank you.
J'avais ma petite liste avec moi. Voilà, ma pile à lire, ma pile de livres. Je vais pouvoir la ranger dans les bibliothèques ici. Et je les rangerai demain. Là, je vais déjà ranger le bazar extrême que je mets quand je fais mes photos. Parce qu'en fait, je fais mon gypso. Et là, mon gypsophile, il commence à être un peu trop vieux. Donc, il s'épluche. En fait, il perd énormément. Il a beau être entretenu. J'en mets partout en fait. Les gens, ils arrivent à hyper bien garder leur gypsophile et moi, je sais pas, on a dû fomenter un complot contre moi parce qu'à chaque fois, eh ben, au bout de peu de temps, il est complètement mort et faut que j'en rachète. Normalement, j'en ai dans mon jardin l'été, mais là, évidemment, bah, j'en ai pas. Donc, je vais très certainement aller m'en racheter. Voilà, je finis mon petit cappuccino et je vous reprends plus tard. Bon, je vous reprends, on est en toute fin de journée. J'ai essayé mon t-shirt que j'ai reçu de chez Muse. Ne regardez pas, mon miroir est dégueulasse, je le sais. Je trouve que moi j'aime bien. J'aime bien la coupe comme ça. Parfois je vais chercher des t-shirts chez les hommes. Donc plus c'est loose, voilà, je suis comme 90% des femmes. Hein, je suis très complexée, donc je suis contente. Plus c'est loose, plus j'aime, moi, entre guillemets. Bon, on est en toute fin de journée. Je vous ai repris vraiment pour prendre le temps d'essayer ce petit t-shirt envoyé par Muse que j'adore. J'ai lancé sur Instagram une FAQ concernant le tarot, l'ésotérisme, les oracles, la lithothérapie, les croyances, la réincarnation, enfin bref, tout ce que vous avez comme question, tout ce dont vous auriez envie que je parle à propos de ce sujet plutôt ésotérique au sens large, n'hésitez pas à me poser des questions ici en commentaire sur YouTube. Je ferai une vidéo, je ferai très certainement un vlogmas consacré aux oracles, consacré au tarot, consacré à la lithothérapie. J'ai souvent des questions en fait et donc je vais essayer de tout regrouper dans une seule vidéo. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire pour la future vidéo. Toujours très approximatif les coupes de cheveux quand même. Hein. Sur ce, moi je vais vous laisser ici. C'était pas le vlogmas le plus palpitant de la terre, on va même pas se mentir. Je pense que c'était le vlogmas le plus pourri depuis le début des vlogmas. Aujourd'hui j'ai une journée très chargée au niveau du travail donc en fait je n'ai pas pu faire grand chose à part mes photos pendant midi. En fait, je suis dépendante d'un site internet pour mon travail qui a bugué pas mal lundi et mardi et du coup aujourd'hui il fallait que je rattrape tout mon retard. Je n'ai pas rattrapé mon retard. Là je vais aller chercher mes enfants à l'école, je rentre, je termine 2-3 trucs pour mon boulot et je reprendrai demain. Et après j'ai mes fameux trucs dont je vous ai parlé hier, mes cartons à découper de boules de Noël, de maisons en pain d'épices et d'étoiles pour le marché de Noël de l'école des enfants qui a lieu samedi. Il est temps que je les fasse, j'en ai 30 à faire de chaque. La cricote est rapide, mais pas à ce point. Donc voilà, du coup, je suis désolée pour ce vlogmas qui est un petit peu moins intéressant que les autres. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Je vous fais des bisous. Bye! Putain, j'ai recommencé avec la tête. À demain!